Monsieur Louis Madeleine écrit « Les années 93-95 dans la vie de Napoléon sont celles qui peuvent le moins nous retenir. » C'est-à-dire qu'il a bien envie que nous regardions ailleurs. C'est une invitation en réalité à redoubler d'attention quand on veut faire de l'histoire sérieuse. Vous vous rappelez, nous étions arrivés au 11 juin 93. Le 11 juin 93, le petit Napoléon et Buonaparte, qui avait tenté de prendre un bon départ en Corse et qui avait raté, est obligé de refluer sur le continent. Il est parti avec sa smala familiale de Calvi, le 11, et c'est le 13 juin 93 qu'il débarque près de Toulon. La situation n'est pas gaie. C'est parfaitement vrai que les paolistes lui ont pillé sa maison, qu'il n'en a à peu près plus rien, qu'il se demande comment ils vont vivre. Il va établir sa mère et ses sœurs près de Toulon d'abord, puis à Marseille ensuite, et j'ai trouvé dans un pamphlet, il est vrai que c'est un pamphlet probablement calomniateur, de 1814, une espèce d'esquisse de la vie de Napoléon, cette affirmation, l'affirmation que voici, la mère et les sœurs de Buonaparte, lorsqu'il est arrivé de Corse, faisaient des heureux chaque soir par goût et par état. Je suis bien convaincu que c'est affreux. Madame Laetitia, elle avait 43 ans. L'aînée Maria Anna, qui se faisait maintenant appeler Elisa, avait, c'est vrai, 18 ans. Les deux autres avaient 13 ans, mais enfin les méditerranéennes. Et une autre qui avait 11 ans. Toujours est-il qu'effectivement, ces pauvres femmes n'ont rien. Alors je me demande comment elles se débrouillent. La politique qui va suivre ce jeune capitaine, qui est maintenant rentré à son régiment, le 4e régiment d'artillerie, qui est en garnison à Nice, la politique du capitaine, ça va être de se faire passer, mon Dieu, c'est presque vrai, pour un homme qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour la République. Il a une telle passion maintenant de la France, cette France qu'il détestait il y a 2 ans, qu'il a tout sacrifié, qu'on lui a pris ses biens parce qu'il est avant tout un Français et un montagnard. Et bien, ça va réussir. Il va obtenir presque immédiatement un rappel de solde, alors qu'il était déserteur depuis un certain nombre de mois et même d'années. Seulement, il était couvert par un certificat de Salicetti. Vous savez, Salicetti, c'est le commissaire de la Convention, c'est un député de gauche de la Corse qui était là, qui avait utilisé le petit Buonaparte contre Paoli. Salicetti lui a fait un papier en disant que la présence du capitaine Buonaparte en Corse était indispensable aux intérêts de la République. Bon, alors militairement, il est couvert. Mais il va obtenir tout de suite, il est arrivé le 13 octobre et le 13 juin et le 26 juin, il obtient ça, un rappel de solde de 3 000 livres. Ça vous dit rien? Eh bien, 3 000 livres, ça fait aujourd'hui pouvoir d'achat de 12 000 francs, c'est-à-dire 3 000 $. Ça va aider un peu à dépanner les sœurs. Il fait aussi une découverte importante dont il nous parlera, à Bertrand. À ce propos, il faut que je vous dise tout de suite que les mémoires de Bertrand, les carnets de Bertrand, qui était le grand maître des cérémonies, vous savez, le grand maréchal du palais, enfin, que Buonaparte avait emmené avec lui à Sainte-Hélène, ces textes de Bertrand avec ceux de Gourgaud sont ceux qui nous renseignent le plus sur la vie de Napoléon. Il a fait des tas de confidences. Alors il dit à Bertrand, il dira ça en 1817 ou 1818, dès que je suis arrivé en France en 93, je me suis aperçu, au point de vue militaire, de quelque chose de très important. On nous faisait croire, on nous a raconté que Carnot, disait-il, était l'organisateur de la victoire. Ben, j'ai vu ça de près, disait Napoléon. C'étaient les représentants en mission, c'est-à-dire les délégués de la Convention. C'étaient les représentants en mission sur place, avec leur plein pouvoir, qui faisaient tout aller. Vous savez que c'était la politique du Comité de salut public, surtout avec un homme comme Saint-Just. Saint-Just était quelqu'un qui pensait d'avance ce que pensa Clémenceau. Clémenceau disait que la guerre était une chose trop sérieuse pour la laisser aux militaires. Et les gens de la Convention, enfin les Républicains, avaient fait de très curieuses expériences avec les généraux. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait le général Lafayette qui avait déserté au mois d'août 92 parce que la France républicaine ne lui plaisait pas. Il y avait le général Dumouriez qui ne s'était pas contenté de déserter, lui, en avril 93, il était passé à l'ennemi, c'était offert à l'ennemi. Alors Saint-Just et les gens du Comité de salut public avaient décidé qu'il fallait les tenir, les officiers, les généraux en particulier. Et ils disaient que l'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un État libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint. Alors auprès de tous les généraux, et là il y avait l'armée de Nice qui était en face des Piémontais et des Autrichiens, auprès de tous les généraux, il y avait ce qu'on appellera plus tard en Russie, enfin, les commissaires politiques, vous savez, les commissaires civils qui étaient là pour contrôler les généraux. Buonaparte, qui n'est pas un imbécile, le capitaine Buonaparte, repère tout de suite que ce qui a le pouvoir, c'est pas le général, c'est le représentant du pouvoir civil. Alors il va être très très bien avec eux, il va gémir bon, en disant j'ai tout perdu parce que je suis un républicain, il faut me donner une compensation. Il a eu les 3 000 livres que vous savez, il va obtenir autre chose tout de suite, à peine est-il arrivé, on l'envoie en mission. Ce petit capitaine obtient d'être chargé d'aller convoyer des poudres qui arrivent de Paris, qui sont arrêtées à Avignon, je veux dire pourquoi, et il faut que lui, avec un groupe de soldats, on va lui donner une voiture à sa disposition et des frais de route très considérables, pour la première fois il sera dans une espèce d'opulence, c'est lui qui devra aller jusqu'à Avignon, de Nice à Avignon, pour essayer de convoyer ses munitions et ses poudres qui doivent venir à travers la Provence. La situation intérieure française, nous sommes au début de juillet 1993, elle est
tragique, peut-être vous rappelez-vous. Les Girondins ont été expulsés le 31 mai de la Convention. Et les Girondins expulsés soulèvent la France. C'était extrêmement intelligent au moment où la Vendée déjà a été soulevée. Et bien eux, les Girondins, pour se venger de n'être plus au pouvoir, vont essayer d'organiser des insurrections locales. Il y aura une insurrection à Bordeaux, il y en aura une à Toulon, bien entendu, il y en aura une à Marseille, il y en a à Avignon, il y en a à Bordeaux, enfin de tous les côtés. Alors évidemment, la situation intérieure est extrêmement périlleuse, surtout qu'à l'extérieur même, les coalisés avancent. Alors on a délégué le capitaine Bonaparte pour aller chercher ses poudres à Avignon. Il va passer au-dessus de Toulon et au-dessus de Marseille, n'entrant pas dans la ville, parce que précisément ce sont ceux qu'on appelle les fédéralistes, c'est-à-dire les Girondins qui sont maintenant appuyés par toute la droite française et par tous les anciens royalistes, ce sont les Girondins qui sont les maîtres, à Toulon et à Marseille. Alors, ils frôlent les deux villes, se renseignent du reste, avouera plus tard à Bertrand, je me suis demandé si je n'en avais pas passé de leur côté, parce que c'est un homme qui soupèse, qui se demande toujours de quel côté va être la victoire. Alors si c'est les Girondins qui l'emportent, il faudrait peut-être pas que je me mouille trop du côté de la Convention. Il arrive dans ses dispositions incertaines à Avignon, se demande encore ce qu'il va faire, prend contact, il le dira, prend contact avec les fédéralistes d'Avignon, et à ce moment-là arrive de Paris une troupe assez forte, dirigée par un général qui s'appelait Carteau. Ce moi, je viens de vous le dire, ce n'est pas les généraux qui sont importants. Les généraux, ils ont toujours un commissaire civil. Et le commissaire civil, le commissaire de la Convention qui accompagne le général Carteau à Avignon, s'appelle Revers. Et ce Revers, bien plus tard, toujours en 1817-1818, lorsqu'il est à Sainte-Hélène, Napoléon racontera, je suis allé tout de suite voir Revers, parce que c'était l'homme important, et je dois dire que j'étais très content de lui. Je pense qu'il a fait son numéro auprès de Revers, enfin il lui a dit, je suis un républicain corse, j'ai tout perdu, les paulistes m'ont tout pris. Enfin, Revers s'intéresse beaucoup à lui. Ce qui suit reste aujourd'hui même, 67, hein, parfaitement obscur. Il va dire à Bertrand, une fois que j'ai eu réglé la question du convoi de poudre, je suis monté sur Lyon, et même je suis allé à Paris. Et il donnera un détail complémentaire, il dira, vous savez, la France est dans un tel état à ce moment-là, ça m'amusait beaucoup, je changeais de langage à chaque poste pour n'être pas arrêté. C'est-à-dire que de temps en temps, il faisait le fédéraliste, de temps en temps, il faisait le conventionnel. C'est peut-être vrai, mais les deux certitudes que nous avons, les voici. Le 29 juillet 93, il est à Beaucaire. Beaucaire, c'est pas bien loin d'Avignon, mais enfin, c'est pas à Avignon, c'est en face de Tarascon, vous savez, je sais pas ce qu'il fait à Beaucaire. Et c'est le 29 juillet que, de Beaucaire, il écrit un petit texte, un petit pamphlet de propagande qui va appeler le souper de Beaucaire. Dans le souper de Beaucaire, il y aura un militaire, c'est lui naturellement, il s'appelle un militaire, qui discute avec trois bourgeois, un bourgeois de Nîmes, un négociant de Marseille, un fabricant de Montpellier. Et le militaire est en train de leur expliquer dans un langage extrêmement réaliste, vous avez tort d'être fédéraliste, vous savez, les Girondins, j'en suis convaincu, dit le militaire, ils sont fichus, ils ont perdu la partie. Si par conséquent vous êtes des gens positifs, vous devez vous rallier à la Convention. Et il n'oublie pas, dans son petit topo, le souper de Beaucaire, il n'oublie pas de dire que Paoli, c'est un homme abominable, ça n'intéresse pas, vous savez, les négociants de Marseille, mais enfin, lui, il y tient beaucoup. Paoli n'arbora le drapeau tricolore que pour avoir le temps de tromper le peuple. Paoli, l'affreux, qui ravagea et confisqua les biens des familles attachées à l'unité de la République. Toujours son thème très important. Bainville raconte dans son histoire de Napoléon que, pour se faire connaître, Bonaparte n'a pas hésité à payer de sa poche l'impression de ce souper de Beaucaire. Erreur. Il payait de sa poche le moins possible. Il a obtenu que ce soit Revers, précisément le commissaire Revers qui venait de la Convention, qui ayant lu ce petit texte manuscrit, se disant ça fait un instrument de propagande assez utile, c'est Revers qui va faire les frais, oh, les frais de la Convention bien sûr, pour imprimer le souper de Beaucaire et le répandre. Alors première certitude, le 29 juillet 93, il n'est pas à Paris, il est à Avignon. Et le 28 août 93, est-ce qu'entre-temps il a eu le temps d'aller à Paris? J'en sais rien. Le 28 août 93, Bonaparte est encore à Avignon, puisque le 28 août 93, ce capitaine, Bonaparte, ce n'est qu'un capitaine, comme un autre, écrit directement, spontanément comme ça, sans passer par la hiérarchie, écrit à qui? Au ministre de la Guerre. Je vous demande un peu, oui, le ministre de la Guerre s'appelle Bouchotte, c'est le colonel Bouchotte, et le petit capitaine Bonaparte écrit à Bouchotte en lui demandant de l'avancement. Chateaubriand raconte dans les Mémoires d'Outre-Tombe ceci, il dit, c'était l'habitude du jeune Napoléon, du jeune Bonaparte, d'écrire aux personnes puissantes qu'il ne connaissait pas. Il avait écrit à l'abbé Rénal, il avait écrit à Necker, ben, il se disait peut-être une chance que ma lettre soit lue et que ça me serve. Ben, il continue sur sa lancée, il écrit maintenant directement au ministre. Je ne sais pas du reste ce que le ministre va en faire. Toujours est-il qu'il va être obligé maintenant, son travail étant fait à Avignon, de refluer par le nord de Marseille jusqu'à Nice, et il raconte à Bertrand ceci qui est un mensonge. Je n'aime pas les gros mots, vous savez, mais enfin, il a juste attaqué qu'il faut. Il dit, je me trouvais à Paris, lorsque la nouvelle arriva à Paris de ce qui s'était passé à Toulon.
Et le fait est qu'il s'est passé quelque chose d'affreux. Les Girondins, les royalistes, en fait la bourgeoisie, tous d'accord, avaient livré leur ville à la flotte anglaise. Et les deux amiraux, l'amiral Chosgrau et l'amiral Trogoff, étaient carrément passés du côté de l'ennemi, comme avait fait Dumouriez. C'était des militaires qui avaient leur opinion sur la politique, enfin des militaires politiciens, et ils avaient trahi leur patrie, livrant l'arsenal, la flotte, la ville de Toulon aux Anglais. Alors Bonaparte dit, j'étais à Paris quand on a pris la nouvelle. Le comité de salut public chercha un officier capable de diriger l'artillerie au siège de Toulon, qu'il s'agissait de reprendre, je fus choisi. C'est pas vrai. Je peux vous affirmer que ce n'est pas vrai. En réalité, il n'était pas à Paris. Pourquoi ? Parce que c'est le 28 août 93 que l'on a appris à Paris la tragédie de Toulon, et que le 28 août, il n'était pas à Paris, puisqu'il écrit ce jour-là d'Avignon à Bouchotte, ministre de la guerre. Alors qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Bien, on le sait aujourd'hui. Il est obligé donc de rejoindre Nice pour amener ses poudres et ses canons. En arrivant à la hauteur de Toulon, qui est maintenant aux mains de l'ennemi, hein, aux mains des bourgeois anglais, il apprend que Salicetti est là. Qui c'est Salicetti ? Peut-être vous vous rappelez, à la fin de mon dernier exposé, je vous ai dit que brusquement, en 93, renversant la vapeur, enfin faisant volte-face, le petit Buonaparte avait quitté le parti Paoli pour passer au parti de la Convention qui était représenté par le député corse montagnard Salicetti. Salicetti se trouve être devant Toulon, parmi les troupes françaises qui doivent reprendre la ville. Il est commissaire de la République française, commissaire civil auprès des généraux. Ça intéresse capitalement Bonaparte. Il se dit, tiens, mais il me connaît, Salicetti, je pourrais peut-être me faire agréger aux troupes qui sont là autour de Toulon, ce serait plus intéressant que d'aller bêtement à Nice. Et c'est Salicetti qui le fait entrer dans la petite armée qui est là pour reprendre Toulon. Qui c'est qui dirige l'armée ? Enfin, c'est Carteau. Parce que le général Carteau était arrivé avec Revers, avait conduit ses soldats jusque devant Toulon, et s'était dit, maintenant on va utiliser ses troupes pour reprendre Toulon. Ce que Bonaparte fait, il faut le savoir, enfin je ne suis pas là, vous savez, pour faire des choses désagréables, je suis là pour dire la vérité. Ce que fait Bonaparte, c'est que, extrêmement bien avec Salicetti, il va desservir Carteau auprès de lui. Il va dire, ce général Carteau, enfin vraiment, il ne connaît pas son métier, et il va faire nommer à sa place, il va persuader Salicetti de faire nommer à sa place un général bienveillant qui s'appelle Dugommier. Général Dugommier, c'est quelqu'un, si j'ose dire, qui connaît la musique. Je veux dire, Dugommier se dit, avant tout, il faut être bien avec les commissaires. Or, comme le commissaire Salicetti a l'air de protéger son compatriote corse Buonaparte, il faut moi aussi que je sois gentil avec ce Buonaparte. Alors il va bientôt, Dugommier, le général, va bientôt parler du petit capitaine Buonaparte en l'appelant « mon petit protégé ». C'est la technique, c'est l'astuce de Bonaparte. Vous savez, c'était un caractère soumis autrefois, lorsqu'il était devant les révérendaires minimes à Bienne, à Brienne. Et bien maintenant, il est soumis devant les représentants, il est très gentil, et Dugommier l'appelle aussi son petit protégé parce qu'il a dû le combler de prévenance. Bon, il est attaché là, comme capitaine, mais il veut monter. L'artillerie était dirigée par un nommé Don Martin, et ce commandant Don Martin se trouve être blessé au siège de Toulon. Immédiatement, Salicetti intervient en disant, c'est ce petit Bonaparte qu'il faut nommer à la place. Donc ça le fait passer de capitaine à commandant. Et comme un commissaire a le pouvoir de faire des nominations quand il ne s'agit pas d'une nomination de général, qui peut faire une nomination de grade entre un capitaine et un commandant, le 19 octobre 93, voici Bonaparte qui devient commandant. Il n'est pas resté longtemps capitaine, hein, je vous l'ai dit, c'était le 13 juillet 92 qu'il avait été nommé capitaine, le 19 octobre 93, le voilà déjà commandant. Il participe au siège de Toulon il y a quelques années dans le Larousse, dans le petit Larousse. Il y avait, dans la ville de Bonaparte, les Napoléons, il a repris Toulon. Non, non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, dans les nouvelles éditions de Larousse, on a corrigé ça. Il a participé à la reprise de Toulon, mais il n'a pas repris Toulon. Seulement Dugommier, qui est gentil, vous savez, qui est très gentil avec lui, et en particulier avec les représentants, Dugommier n'oubliera pas de mentionner le nom du commandant Bonaparte parmi ceux qui ont contribué à la reprise de Toulon. Ça lui fait très plaisir d'avoir des éloges. Ils sont même imprimés au Moniteur du 29 décembre. Toulon a été repris le 19 et le Moniteur, officiel, du 29 décembre, nomme le commandant Bonaparte parmi ceux qui ont bien travaillé. Les éloges, c'est très plaisant, il aime le concret, vous savez. Alors le concret, c'est de se rapprocher des deux nouveaux commissaires qui sont arrivés pour faire régner la terreur. C'est Fréron et c'est Barras. Et Lucien, Luciano, qu'on appelle encore Luciano. Luciano qui est à Saint-Maximin, c'est-à-dire à côté de Toulouse, et qui est un jacobin incandescent, écrit à la Convention des lettres invraisemblables où il se félicite d'avoir piétiné dans le sang des insurgés que l'on a réduits par le fer et par le feu sans distinction, dit-il, d'âge et de sexe. Barras racontera dans ses mémoires que le commandant Bonaparte était devant lui et devant Fréron d'une docilité exemplaire. Il ôtait son chapeau devant nous et le tenait au bout de son bras aussi bas que son bras pouvait descendre, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut obtenir d'eux ? Il veut obtenir immédiatement une nomination
de général. Pourquoi pas? Il est commandant, mais vous savez, à ce moment-là, on avait des généraux rapidement. Mais les commissaires n'ont pas le droit, ils ont le droit de faire proposition. Il réécrit personnellement, lui, Bonaparte réécrit personnellement au ministre de la guerre, Bouchotte. Et le général Bouchotte, le colonel Bouchotte, ministre de la guerre, envoie comme il le fallait un questionnaire à Dugommier, et Dugommier est chargé de dire ce qu'il en pense. Dugommier est tellement gentil à l'égard des commissaires qu'il ne va pas remplir lui-même le questionnaire, mais il va charger le commandant Bonaparte de le remplir. Alors dans le questionnaire, il y a ceci. Est-il ci-devant noble ou n'a-t-il pas été noble? Je vous rappelle que c'est un cadet gentilhomme. Vous rappelez qu'il signait Carlo D. Bonaparte. Et carrément, maintenant sur le questionnaire, Bonaparte est devenu girondin, mais non noble. Et il cache dans ses curriculum vitae le fait qu'il est passé par l'école militaire de Paris, parce que ça aurait prouvé qu'il était noble. Dugommier est gentil, mais il a de l'astuce aussi, parce que, en renvoyant le questionnaire avec avis favorable, il met la postille que voici. Cet officier s'avancerait tout seul si on ne l'avançait pas. Peut-être que Bouchotte a souri, mais enfin, Bonaparte est appuyé par Fréron et Barbarasse. Et le 19 janvier 94, vous m'entendez, le 19 janvier 94, après 4 mois d'ancienneté comme commandant, il est général, général de brigade. Décidément, la France a du bon, puisque c'est maintenant son nouveau terrain de chasse. Ça allait très bien au début de 94, comme vous voyez, ça allait beaucoup moins bien. D'abord, il va faire une tournée d'inspection sur les côtes, côté de Provence. Fait une découverte en passant à Marseille. La découverte, c'est que le commissaire qui vient d'arriver à Marseille s'appelle Augustin Robespierre. C'est-à-dire que c'est le frère de Maximilien. Et je vous assure qu'au début de l'année 94, le frère de Robespierre, c'était quelqu'un à Marseille. Enfin, ça sert beaucoup, c'était une relation infiniment utile. Puis il revient avec Augustin Robespierre, il l'entoure de gentillesse à son armée de Nice. Il est là maintenant général de brigade, il a un petit état-major à lui. Il habite le château Salé avec une espèce de majesté. Il a maintenant 15 000 livres. Pouvoir d'achat, 60 000 aujourd'hui, quoi, 15 000 dollars. C'est un monsieur déjà, ça commence à aller bien. Et Augustin Robespierre va envoyer le 2 avril 1994 à son frère Maximilien une note dans laquelle il dit « J'ajoute au patriote que je t'ai déjà signalé, le citoyen Bonaparte, général en chef de l'artillerie, ce dernier qui est d'un mérite transcendant est corse et offre la garantie d'un homme qui a résisté aux caresses de Paoli. » Mon Dieu, les caresses de Paoli, il les aurait bien voulu. « Qui a résisté aux caresses de Paoli et dont les propriétés ont été ravagés par ce traître. » Vous voyez, perpétuellement, c'est le même thème. J'ai tout perdu à cause de ma passion républicaine. Toujours est-il que le nom du citoyen Bonaparte, du général Bonaparte, est maintenant sous les yeux de Maximilien de Robespierre et qu'il a un appui considérable. Carnot aurait bien voulu une guerre assez sérieuse avec les Piémontais, parce que Carnot, je vais vous en parler, est un homme super réaliste qui se disait il y a de l'argent à faire, il y a des razzias opulentes à faire du côté de l'Italie, mais enfin, on n'a pas de moyens financiers, on est obligé de faire ce que nous appellerons une petite guéguerre. Le général qui commande maintenant s'appelle Dumerbion, mais ceux qui sont le plus importants, c'est sur les commissaires civils, c'est-à-dire Augustin Robespierre et son adjoint qui s'appelle Ricord. Bonaparte se met en avant, comme il doit, il prend part à la petite bataille de Saorgio, s'empare du col de Tende, enfin tout ça c'est de la guerre sans grande importance, et ça l'agace de voir qu'on n'a pas de moyens suffisants. La situation intérieure devient tellement grave à Paris que Maximilien rappelle Augustin. Et Augustin, qui s'est attaché à Bonaparte, ou plutôt Bonaparte qui colle derrière Augustin et qui lui lèche les pieds, Augustin lui dit « Ce que vous voulez m'accompagner à Paris, je vous présenterai à mon frère et peut-être bien que nous pourrions vous nommer dans un poste important à Paris. » C'est un subtil, notre Bonaparte. Un garçon qui se dit « Robespierre est en train de mener une partie terrible, il a toutes sortes d'adversaires, il peut très bien tomber, par conséquent je ne veux pas les mouiller en allant à Paris. Je préfère rester sur place à Nice, parle de ses responsabilités militaires. » Et il obtient, dès qu'Augustin est parti, il obtient de son collègue Ricord une mission à Gênes. Gênes, c'était un État indépendant. La mission à Gênes, c'est le 15 juillet 1994 qui va y partir, Bonaparte. La mission à Gênes est, en apparence, la mission de quelqu'un qui va traiter de questions de ravitaillement. Soi-disant, il va faire des commandes de blé. En fait, c'est pour aller voir s'il n'y a pas moyen de se renseigner sur les forces militaires de Gênes, sur les puissances des fortifications, enfin, s'il n'y a pas moyen d'enlever la ville. Il part, écoutez bien, il part le 15 juillet et il va rentrer le 27 juillet. Qu'est-ce que c'est que le 27 juillet 1994? C'est le 9 Thermidor. Et le 9 Thermidor, c'est le jour où Robespierre s'écroule. Alors ce qui va se passer, c'est très obscur. Et comme je ne sais pas, je vous dis que je ne sais pas. Je vous apporte simplement les faits. Pendant que le général Bonaparte était à Gênes, un informateur français de Gênes a envoyé à l'état-major français l'indication que voici. Je sais qu'un million est en route pour l'achat d'un général français. Mais attendez, il y a des gens qui se sont dit « Bonaparte est en train de se vendre. Je n'en sais rien.
Ce que je sais de lui, c'est que l'argent l'intéressait d'une manière pathétique, enfin passionnée, première, primordiale, fondamentale. Ce que je sais aussi, c'est qu'il racontera lui-même qu'en 1996, lorsqu'il a fait sa campagne d'Italie, je vais vous en parler dans quelques jours, il a acheté des généraux étrangers. Mais ce que je suis sûr aussi de pouvoir vous dire, c'est que Ricord, qui était l'ami d'Augustin Robespierre, maintenant que Maximilien de Robespierre est tombé, Ricord, il a besoin de se dédouaner. Parce que quand il va frapper contre Bonaparte, parce que Bonaparte est une créature d'Augustin Robespierre. Il se dédouane comme ça, il va se mettre bien avec les Thermidoriens. Toujours est-il que le 9 août, brusquement, le général Bonaparte est arrêté. Il y a encore un faux dans la correspondance. Il y a un faux qui serait une lettre que Bonaparte a écrite du château, du fort carré d'Antibes pendant sa détention. Une lettre qu'il a écrite à son aide de camp Junot pour lui dire « Vous me proposez de me faire évader, mais je ne veux pas, je suis un homme qui ne s'évade pas. » C'est pas vrai, il n'a jamais été au fort carré de Nice. Il y a quelques, on a retrouvé il y a quelques années des documents qui établissent que les arrêts qu'on lui a imposés n'étaient que des arrêts de rigueur, donc il n'a pas été incarcéré, il est resté chez lui. Il habitait chez un négociant qui s'appelait Laurenti, dont il courtisait la fille du reste, simplement il est resté quelques jours là. Et puis il va multiplier les démarches pour se dédonner lui aussi, il va écrire à Tilly, qui était le représentant français, le ministre de France, quoi, à Gênes, une lettre extrêmement sévère contre Robespierre. Il va remettre à Ricord et aux autres représentants, l'un s'appelle Albite et l'autre s'appelle Laporte, il va leur remettre un mémoire de 7 pages où il va dire « Moi, je suis complètement innocent politiquement, je n'aimais pas du tout Robespierre, vous savez, moi, avant tout, je ne suis qu'un militaire. » Salicetti va reparaître, non pas comme commissaire, mais parce qu'il est de la région, parce qu'il est là, parce que la Corse est en effet soulevée et qu'il ne peut plus retourner en Corse. Salicetti va intervenir et il s'en tire. Bonaparte va être lavé, enfin, il aura non-lieu. Mauvais tout de même. Le nouveau chef s'appelle Scherrer, le nouveau général. Et ce Scherrer ne l'aime pas. Scherrer va même demander le rappel de Bonaparte, et avec une formule habile, parce que Scherrer ne veut pas tout de même trop se compromettre, et il ne va pas le nommer, mais il va demander au bureau de la guerre à Paris qu'on le débarrasse des Corses, qui sont dans mon armée. Leur patriotisme, écrit le général Scherrer, leur patriotisme est moins évident que leur disposition à s'enrichir. D'autre part, dans le dossier qui est celui de Bonaparte à Paris, au ministère de la guerre, il y a une note que voici. L'intrigue et la fourberie, l'intrigue et la fourberie personnifiées. Il sent que la situation est mauvaise pour lui. Il y a un nouveau commissaire encore, il vient tout le temps, il s'appelle Thureau, celui-là, il vient de se marier. C'est un conventionnel qui vient de se marier, il a trouvé, pour faire un voyage de noces gratuit et agréable, il s'est fait envoyer sur la côte d'Azur comme en mission. Quoi. Il est avec sa jeune femme, Bonaparte est gentil comme toi avec la jeune femme, bien entendu, parce que c'est la femme du commissaire. Enfin, le commissaire lui conseille personnellement d'aller voir à Paris ce qui se passe. Le voilà qui va à Paris. Traverse du reste Marseille pour monter à Paris, fait à Marseille un certain nombre de découvertes. Premièrement, que ça serait très important pour lui d'entrer dans la franc-maçonnerie. Son frère Joseph Giuseppe en fait partie, Salicetti est franc-maçon, alors il va se faire recevoir franc-maçon à ce moment-là, donc avril 95. La deuxième découverte qu'il fait, c'est que sa Pauline, sa sœur Pauline, elle a 15 ans, se trouve être la maîtresse de Fréron. Et comme Fréron est un conventionnel de toute première importance, un des thermidoriens de premier plan, c'est très bon que Pauline soit la maîtresse de Fréron. Madame Mère le sait, mais elle est très souriante. Donc il pense que c'est très utile de s'appuyer sur Fréron et il monte sur Paris. Quand il arrive à Paris, il se présente au bureau de la guerre, c'est Aubry qui dirige le ministère de la guerre. Aubry est plutôt réactionnaire, c'est un thermidorien de droite, et il lui dit, bon ben mon garçon, si vous ne voulez pas rester à Nice, je vais vous envoyer en Vendée, faire de la répression en Vendée. Monsieur Madelin, qui est toujours si gentil, que Madeleine a dit, non, quand on lui a fait une proposition pareille, Bonaparte, il l'a repoussé, enfin, une espèce d'instinct chez lui répugnait à la guerre civile. Je ne trouve pas que c'est gentil, enfin, pour quelqu'un qui avait fait sa carrière à Toulon, c'est-à-dire dans la guerre civile, aller en Vendée, non, pas question. Pourquoi il ne veut pas aller en Vendée? Parce que celui qui dirige en Vendée, c'est Hoche, et que Hoche, ce n'est pas la même chose que Scherrer. Scherrer, c'est un général un peu souple, Hoche n'est pas un général souple, il a peur. Et d'autre part, il ne veut pas aller en Vendée parce qu'il a toujours l'esprit tourné du côté de l'Italie, qui sera son obsession. Pourquoi? Parce que l'Italie, c'est riche. Parce que la plaine de Lombardie est une plaine où on peut faire des razzias passionnantes. Parce que si Carnot veut bien écouter ses propositions, on va le charger, lui, d'aller mettre la main sur l'Italie. Aubry est intraitable. Lui dit, écoutez, c'est à prendre ou à laisser, vous allez aller en Vendée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne veut pas se mettre mal avec les bureaux officiellement, il va demander un certificat médical. Il prétendra, c'est vrai qu'il est malade, il prétendra plus tard, il racontera ça à Sainte-Hélène, qu'il avait attrapé la gale. Il avait attrapé la gare au siège de Toulon parce qu'il avait saisi au cours d'un combat les couvillons, vous savez, la brosse là, du canon, les couvillons que tenait un grenadier qui venait blessé ou tué, je ne sais pas, il lui avait pris des mains, il avait saisi les couvillons, mais le type était galeux et lui, Bonaparte, avait attrapé la gare. Il semble que ce ne soit pas tout à fait exact. Il avait des éruptions de boutons, je crois que c'était un accident syphilitique.
Toujours est-il qu'à ce moment-là, il obtient un certificat médical disant qu'il n'est pas bien, qu'il ne peut pas aller rejoindre la Vendée. Et il va se débrouiller à Paris avec un acharnement incroyable pour essayer à droite et à gauche de trouver une situation. Voici Danglars, racontera plus tard. On se cognait à lui partout, il frappait à toutes les portes. Ne croyez pas d'ailleurs que ce soit vrai, ce qu'il dira plus tard, j'étais dans une situation financière misérable. J'avais pas 4 sous. Alors, il avait ses 15 000 francs. 15 000 francs qui en fait 60 000 aujourd'hui, ça fait du 40 francs par jour. Savez-vous à ce moment-là qu'un instituteur, ça gagnait du 3 francs par jour, 4 francs par jour. Un ouvrier, quand il travaillait, faisait du 2 francs par jour. Ben, lui, il en avait 40 par jour. Seulement, comme il n'avait plus les avantages annexes d'un officier, enfin d'un général qui est au combat, enfin, qui est en campagne, il était obligé de ne plus mettre de côté. Alors on le voit qu'il se vit en 1995 de gérer la fortune, de gérer la fortune de Giuseppe, parce que Giuseppe a fait un mariage sensationnel à Marseille. Il a épousé la fille Clary, c'est un gros commerce. La fille Clary lui a apporté une dot considérable. Alors Bonaparte, son frère, enfin, lui dit, mais je vais gérer ta fortune. Il pense qu'il prendra des commissions. Du reste, en traversant Marseille, il a essayé sa chance du côté de la petite Désirée Clary, c'est-à-dire la sœur de Julie. Julie, c'est sa belle-sœur. Et la petite Désirée, elle l'aime bien, du reste, elle s'est donnée à lui et elle espère qu'il va l'épouser. Mais il réfléchira à ça un peu plus tard. Voilà qu'au mois de juillet, une idée formidable lui vient, il est question d'officier instructeur que le grand turc, le sultan, demande à la France. Il se précipite pour se proposer comme officier instructeur, parce qu'il se dit là-bas, ce qu'il fait d'Eldorado, il se sent absolument apatride, vous savez, c'est un Corse qui n'a pas réussi en Corse, qui est retombé sur la France, qui n'est pas français pour un sou. En Turquie, ça va peut-être très bien. Malheureusement, le 21 août 1995, il annonce à son frère Joseph, c'est raté, le projet turc tombe à l'eau. Du moins, il passe à la section topographique de l'armée, ça l'occupe. Mais le 15 septembre 1995, alors là, c'est la catastrophe. Obscur aussi, ce qu'il dira plus tard, j'ai démissionné. C'est pas vrai, il n'a pas démissionné. On l'a renvoyé. Il a été brusquement liquidé. Il est mis en disponibilité, sans solde, le 15 septembre 1995. C'est épouvantable pour lui. Oh, ça ne va pas durer, vous savez, nous sommes le 15 septembre, dès le 5 octobre, il va reparaître. Pourquoi? Parce que les événements politiques vont le pousser, parce qu'une insurrection royaliste se produit à Paris, parce que lui se propose auprès de Barras, auprès de Fréron, pour essayer de réduire cette insurrection. Il devient l'aide-de-camp de Barras, qui cherche autour de lui des anciens soldats républicains, et Dieu sait que Bonaparte s'est affiché comme républicain. Ça sera ce que l'on appelle le 13 Vendémiaire. À la suite du 13 Vendémiaire, comme il a été très poussé par Fréron, qui le 10 octobre à la Chambre des députés a dit une partie de la victoire est due au général Bonaparte, le voilà qui va devenir général en chef adjoint des forces françaises de l'intérieur. Le 26 octobre, il n'est plus général en chef adjoint, il est général en chef des forces françaises de l'intérieur, de l'armée française de l'intérieur, avec un traitement considérable. Il a maintenant fait une escalade éblouissante. Il y a quelques mois, il était presque sur le sable. Le voilà maintenant qui est personnage important à Paris, logé à l'hôtel de Créqui, en rapport permanent, enfin quotidien, avec les importantissimes. Et le 15 octobre, alors qu'il n'est encore que général adjoint, puisqu'il ne sera officiellement que le 26, le 15 octobre, il est déjà en mesure d'envoyer à sa mère pour les placer 50 000 écus. 50 000 écus, ça faisait 1 million d'alors, c'est-à-dire 4 millions d'aujourd'hui. Eh bien, en somme, ça tourne bien. Comme vous voyez, la France paraît un pays giboyeux comme terrain de chasse.